Yep tout le monde, c'est Dro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2019 et on se retrouve au Brésil pour l'avant-dernier Grand Prix de cette saison 3, ça y est, on y est, c'est déjà la fin. Pour ceux qui l'ont vu, on a reçu une petite amélioration sur l'aéro arrière, c'était l'amélioration qui devait arriver normalement aux États-Unis qu'on a repoussé du coup. Et avant de partir en séance d'essai, on va racheter des améliorations, les améliorations qui vont devoir s'effacer vu qu'on aura un changement de réglementation pour la saison 4, que ce soit au niveau du châssis ou de l'aéro. Donc j'ai décidé de reprendre quelques améliorations, le but c'est pas de couler Red Bull, hein, clairement, le but c'est pas de les couler, mais je vais pas pouvoir tout reprendre, ça c'est sûr, j'aurai pas assez de points de ressources, donc j'ai décidé de reprendre les premières améliorations, comme ça Red Bull pourra redévelopper les grosses upgrades. Donc voilà, j'en ai repris de mémoire 7 je crois, 6 ou 7 donc par département, donc ça devrait quand même le faire. J'en prendrai d'autres à la fin de la vidéo. Je vous montrerai à Abu Dhabi, on refera un petit point un petit peu sur ce développement et normalement ce sera terminé avec Red Bull, hein. Donc vous le savez, on va partir de chez Red Bull à la fin de cette saison. Ça a été quand même deux saisons assez mouvementées, je pourrais dire. C'était pas les deux saisons que j'ai espéré, surtout la saison 3, clairement. Autant la saison 2 ça a été une très bonne saison, mais la saison 3 était un peu plus difficile, que ce soit en termes de résultats, qui c'était pas forcément décevant, mais j'espérais un petit peu mieux et aussi bien, on va dire, mental, parce que bon, on va pas se mentir, on m'a un peu traité comme de la merde cette saison. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Pour ceux que ça intéresse et ceux qui me suivent sur Twitter, mon Twitter est dans la description avec mon Instagram et tous mes liens, vous le savez que j'ai terminé, donc la saison 3 c'est fait, j'ai déjà fini cette saison, vous ne saurez pas si j'ai gagné le titre ou non, et j'ai donc rejoint une nouvelle équipe. Et alors je peux vous dire que la saison 4 va quand même être assez marrante. Je sais pas, j'ai pas encore enregistré le premier épisode, mais j'ai vu les petits transferts. Je peux vous dire qu'il y aura des transferts et ça va être assez marrant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On travaille encore pour l'instant sur le modding de cette saison 4 et je pense que la semaine prochaine, donc vendredi prochain, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi qui sera disponible en avant-première, je vous ferai un petit pas un topo, mais voilà, je vous ferai un petit peu les petites rumeurs, voir ce qui peut se passer, voir qui peut partir où. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. Pour ceux qui se demandent l'équipe que j'ai rejoint, je ne vous dirai pas, clairement. Je pense que c'est une équipe que je devais faire. Alors, est-ce que c'était la bonne décision? On verra, mais en tout cas, je pense que c'était la bonne chose à faire de les rejoindre. Maintenant, on verra en saison 4. Pour ceux qui me demandent, il y aura 4 et 5 saisons encore. Enfin, du moins, il y aura 4 ou 5 saisons après, je ne sais pas encore. Sûrement une, je vois pas trop comment avec le jeu qui va sortir, je prends en juin, je pourrais faire une cinquième saison, ça va être un peu short, donc ça risque d'être un peu tendu. On s'arrêtera peut-être à 4 saisons comme toutes les années, et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit sur la saison prochaine. On va se concentrer aujourd'hui, on est au Brésil, comme vous pouvez le voir. Bon, ça se passait bien jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien, même si je suis un petit peu en dessous encore en termes de rythme à comparer au Racing Point ou à Verstappen, donc on va voir ce que ça va donner en qualification. Mais c'est vrai que là, les derniers Grands Prix n'ont pas été faciles depuis les améliorations. Bah, c'était quoi? C'était une amélioration, je crois que c'était au Mexique ou je sais plus où, j'ai eu une amélioration, non c'était le moteur, pardon, moteur au Japon. Depuis, ça n'a pas été... ça n'a pas été hyper facile, donc bon, j'espère qu'on va pouvoir un petit peu se relever et assurer les points. Alors pour ceux qui se demandent, pour essayer d'avoir une chance de remporter le titre, enfin du moins au moins le jouer à Abu Dhabi, ce serait déjà pas mal, il faut que je termine devant Lucas Weber coûte que coûte, peu importe la position. Si Lucas Weber marque un point de plus que moi, ce sera terminé, donc autant vous dire que ça va être tendax, ça va être tendax, c'est faisable, mais vu les performances de la Racing Point en fin de saison, c'est assez compliqué. Cette voiture qui, même sans développement, hein, faut rappeler qu'ils ont arrêté le développement assez tôt, s'en sort très très bien, et comme vous pouvez le voir, on est un petit peu loin. Donc bon, on va partir en qualification, on va essayer de faire notre mieux, et on avisera après pour le Grand Prix. C'est l'heure des qualifications à Interlagos, les équipes ont terminé leurs préparatifs et attendent que la voie des stands soit ouverte pour prendre la piste. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Et on se retrouve en première séance de qualification en Q1 devant. On a juste Alexander Albon qui va peut-être nous donner l'aspiration. Pour l'instant, c'est Lucas Weber qui a le meilleur tour en qualification et ça va être un petit peu derrière. On est à une demi-seconde les éliminés. On a Kwiat, Stroll, Romain Grosjean, Kevin Magnussen et Lando Norris qui n'a pas fait de chrono. Donc peut-être une pénalité pour l'Alfa Romeo. Ça reste à voir. Hamilton est passé de justesse pour, il me semble, 10 millième si j'ai bien vu. Et nous, on se retrouve en Q2 avec des pneus médiums en espérant que ça passe. Alors attention, la petite correction en espérant que ça passe. Alors on voit ce que ça va donner, est-ce que ça va suffire? Et pour l'instant on est en avance sur Bottas. Alors à voir, hein, parce que Bottas c'est clairement pas le pilote référence. On va arriver dans la longue dernière ligne droite. On y arrive,
Vettel prend le meilleur tour, DRS activé et sur la ligne, on va être derrière Vettel. On va être derrière une 7.2. Ah, de pas grand chose. Alors Weber va faire mieux, une 7.2. Et malheureusement on ressort en fin de séance avec des pneus tendres. J'aurais pas le choix, donc on va devoir une nouvelle fois repartir avec des pneus tendres. Alors attention à la surchauffe en début de Grand Prix. On verra bien ce que ça va donner. Et cette fois-ci on est en retard sur Lucas Weber. Bon allez, on va améliorer d'une seconde l'énorme travers, on va améliorer. Bon, un peu moins maintenant, 6 dixièmes, ce sera déjà pas mal. Et normalement ça devrait nous suffire pour passer en Q3 une nouvelle fois, une qualification assez tendue. Et sur la ligne, on va passer sans problème, on passe 6ème et Verstappen, lui, est passé en pneu médium, il a réussi. Du coup, Verstappen partira avec des pneus jaunes, les éliminés Butler, Hamilton, Albon, Raikkonen, Giovinazzi et Nico Hülkenberg est passé. Hülkenberg est passé en Q3, c'est assez rare, hein. Il me semble que bah ça lui est arrivé qu'une fois en Autriche, je crois. Alors peut-être que je me dois, attention là, la grosse erreur, attention, bon bah ce tour il va être à mettre à la poubelle là, je me suis totalement loupé. Il me semble que Hülkenberg c'est très très rare, hein, qu'il passe en Q3. Et nous en Q3 justement, bon là on va avoir un temps, il va être désastreux, hein. Clairement on va être très très loin du temps de Leclerc. On est à 1 seconde 2, bon c'est pas étonnant, on a fait une énorme erreur, on peut aller faire largement mieux. Et normalement je pense, ouais Verstappen est très très rapide, hein. Très très rapide, ouais Leclerc aussi d'ailleurs, Leclerc qui a mis quasiment 1 seconde à Vettel, c'est énorme. Leclerc fait un très très bon tour là. Et nous on repart maintenant, on va essayer d'aller chercher, bon 1 seconde 2 ça me paraît un peu beaucoup, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut au moins aller chercher environ 1 seconde. Allez, DRS activé, on va mettre le mode dépassement sur cette première zone de DRS, essayer de gagner un petit peu en VMAX. Et on est légèrement derrière Charles Leclerc pour l'instant. Leclerc qui fait une très très bonne saison. Allez, est-ce qu'on va pouvoir remonter? Pour l'instant, on n'améliore pas, hein. Le tour va très très vite. Donc trouver 1 seconde 2 sur un tour en 1 minute 7. Là, il va falloir vraiment se sortir les doigts des fesses. Et pour l'instant, on gagne pas tant que ça. On gagne pas tant que ça, on perd même du temps. On perd un peu de temps. Eh, on va pas, non, on va pas améliorer de beaucoup là, j'ai l'impression. Alors certes, il reste encore l'énorme travers que j'ai fait qui m'a coûté, mais quoi, 5 dixièmes grand max. Donc là, on serait provisoirement sur 7 dixièmes d'amélioration, pas plus. Alors, on va voir la fin du deuxième secteur. On a le deuxième secteur le plus rapide. On est quand même... Ah, une nouvelle fois, l'erreur, une nouvelle fois, l'erreur au même endroit. Oh non. Et du coup, on va reprendre 6 dixièmes. Et la même erreur au même virage. DRS activé sur la ligne. On va essayer de longer le mur des stands. Et avec 7 dixièmes, on va être seulement 6ème. Sixième, alors que Lucas Weber va partir en pole position. Et bah écoutez, j'en ai pas envie de dire que les jeux sont faits, mais presque, hein. Écoutez, Leclerc va partir deuxième, Verstappen troisième, Vettel 4, Perez 5. Et bah ouais, on a, bah écoutez, on a du beau travail là, parce qu'il va falloir terminer devant Lucas Weber aujourd'hui. Et ça s'annonce assez compliqué, mais on sait jamais ce qui peut se passer. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. Bon, parlons un peu de Julien. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? Ils ont eu une année admirable jusqu'ici. Certaines de leurs performances sont à souligner, mais il faut surtout saluer leur constance. S'ils continuent comme ça, on peut s'attendre à une nouvelle course d'anthologie. Et on va revoir du coup la grille de départ pour ce Grand Prix qui pourrait titrer du coup Lucas Weber. Si Lucas arrive à terminer devant moi à la fin de cette course, il partira devant Charles Leclerc. Verstappen est 3ème devant Sébastien Vettel, en grande difficulté sur cette fin de saison. Perez est donc 5ème juste devant moi, Bottas 7ème. On a une grille assez banale, on retrouve Nico Hülkenberg 9ème, alors que j'ai pas les stats, hein, clairement devant moi, mais je pense que c'est assez rare devant en Q3. Hamilton une nouvelle fois assez loin, hein. C'est compliqué pour Lewis Hamilton là avec Mercedes. Mercedes c'est compliqué en général, donc il va falloir se relancer. La dernière course, tout le monde s'attend à une bonne performance de ta part ce week-end. Mais ça ne va pas être évident depuis cette position. Ça, c'est clair. Depuis cette position, ça va pas être évident. On va partir sur une stratégie à un arrêt. On va faire 13 tours avec des pneus tendres, puis 23 avec des pneus durs. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même 36 tours à faire. Mais à voir si on peut pas passer sur la deuxième stratégie à deux arrêts, peut-être, qui serait un peu plus intéressante. Et on va partir du coup pour ce tour de formation. Alors là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu de pression. J'aime pas du tout. Je déteste vraiment cette position où je suis pas en... Enfin, comment, je suis le chasseur. Ouais, on peut... c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure comparaison, mais je suis un peu le chasseur. Je dois chasser maintenant Lucas Weber parce que je suis assez loin. C'est pas comme si j'avais une marge et que je pouvais me contenter d'une troisième position ou quoi. Il faut absolument aujourd'hui en fait que soit bah, il abandonne et là c'est facile pour moi, soit il faut que j'arrive à remonter au moins deuxième et me battre avec lui, ce qui ne va pas être facile. Donc j'aime pas vraiment cette position, ce qui est normal, mais il va falloir faire avec. C'est vrai que cette saison n'a pas été facile. J'ai pas été forcément déméritant, mais Lucas Weber la mérite aussi, enfin du moins mérite le titre aussi s'il venait à l'emporter aujourd'hui, parce qu'honnêtement, il a pas eu une saison facile non plus. Donc
C'est vrai que on mérite tous les deux. Je pense que je mérite un peu plus avec la voiture que j'ai. Alors j'ai vu beaucoup de commentaires qui me disaient rejoins Racing Point, va battre Lucas, etc. Je peux vous le dire, je n'irai pas chez Racing Point. Hein. C'est un engagement que j'avais pris dans une vidéo. J'irai pas chez Racing Point, c'est l'écurie rivale, donc on va pas aller là-bas. Et aujourd'hui, le but, ça va être de les battre tout simplement. Bon, ça va être un peu compliqué. J'ai encore son lieutenant devant moi, donc bon, déjà falloir essayer de battre Perez, qui va pas être une chose facile. Et après, on essaiera de se concentrer. On va prier pour que Verstappen essaye un petit peu, peut-être de gêner Lucas Webber. On va venir s'installer. On part 6ème aujourd'hui. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo, dans les 20 prochaines minutes, Lucas Webber remportera son premier titre en Formule 1. On s'installe sur la grille et on se retrouve dès l'extinction des feux. C'est parti, c'est un départ compliqué une nouvelle fois, ça se décale de tous les côtés, Leclerc qui s'est un petit peu loupé, Vettel qui a fait un bon départ, attention à l'extérieur, on va avoir aussi une Williams, c'est la Williams qui va tenter par l'extérieur, attention le contact, on s'est touché, l'accrochage avec Perez, le tête à queue, attention drapeau jaune, le contact, la collision, et attention drapeau jaune, ça va repartir, drapeau, et là c'est un petit car, Perez en tête à queue, et on va revoir ce qui s'est passé, l'accrochage avec Sergio Perez, alors là, on va revoir hein, ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'il m'a un peu tourné dessus. Il y avait une Williams à l'extérieur, alors on va revoir directement le mauvais départ déjà de Charles Leclerc devant. Verstappen en pneumatique n'a pas fait un si mauvais départ. Alors moi je suis à l'intérieur et du coup on se retrouve à 3. Ouais, non, c'est vrai que. Alors faut voir le onboard. C'est vrai que je suis pas à la hauteur, certes. Mais c'est vrai que j'arrive d'un peu loin. Peut-être que je suis fautif. Hein. Il faut avouer des fois c'est tort. C'était pas voulu. Alors là, déjà, tous ceux qui vont se jeter dans les commentaires me dire que c'était voulu, c'était pas voulu. Alors on revoit le départ de Vettel, Vettel qui attaque directement son coéquipier, donc ça c'est pas pour notre problème. Ouais, à 3 troncs là aussi c'est tendu. Et Vettel qui va passer. Non, Vettel qui va pas passer sur Leclerc, Leclerc va bien résister. Lucas Webber a fait un très très bon départ, heureusement qu'il y a une safety car. Et on va revoir ce qui s'est passé, alors caméra embarquée. Alors le départ est pas excellent, certes. Vettel se décale, Perez est un peu bloqué. Et du coup je plonge à l'intérieur. Allez, le petit... Ouais, non, c'est my bad. Petite erreur. Je bloque les roues, en fait. Je bloque la roue avant gauche, ce qui fait que mon aileron vient toucher un tout petit peu à la voiture de Perez. Et du moment où, par contre, là, du moment où Perez commence à perdre l'arrière, forcément, j'ai contrebraqué pour pas me faire emmener avec lui. Pour rester sur la piste. C'est vrai qu'il y avait la Williams à l'extérieur aussi. Eh, Perez, il a rien demandé, le pauvre. Il a rien pu faire. Et du coup, ça a bloqué tout le monde. Hamilton en a profité pour dépasser tout le monde. Bon bah écoutez, je suis fautif, j'ai pas eu de pénalité ni d'avertissement. Donc, enfin si, j'ai eu l'avertissement, mais j'ai pas eu de pénalité, j'ai été assez chanceux là-dessus. Eh, Hamilton qu'on a profité pour doubler absolument tout le monde. Eh, par contre ça a dû bloquer, on revend un Pierre Gasly qui était... Ouais non, je suis pas à la hauteur et il me tourne pas forcément dessus. Mais c'est vrai qu'il me laisse pas non plus beaucoup d'espace. Vu que je suis pas à la hauteur, c'est un peu compréhensible. Et du coup, safety car, on repart. Alors deuxième tour, Lucas Webber devant. Maintenant c'est Charles Leclerc, Sébastien Vettel est troisième. Et entre temps, du coup, j'ai perdu une position, c'est Bottas. Bottas qui est passé 5ème, donc là il va falloir déjà dépasser Valtteri Bottas avant d'aller chercher Lucas Webber. Et normalement on va peut-être rentrer directement, elle va peut-être rentrer à la fin du deuxième tour vu qu'il n'y a pas eu de dégâts ou quoi que ce soit. Il y aura peut-être que deux tours sous safety car et ça suffit, hein. Honnêtement tout le monde est déjà revenu. Et oui, ça va repartir, on va repartir, alors c'est fait, on va repartir et il va falloir se concentrer parce que là la relance au Brésil elle est assez tendue, la ligne est extrêmement loin. Et Lucas Webber qui va pouvoir se faire plaisir en plus, alors on va essayer de laisser un petit peu d'espace avec Bottas pour ne pas se faire avoir. Le but du jeu ce serait qu'au moment où on se prend le drapeau vert on soit à plein gaz. Est-ce qu'on peut tenter? Alors là je vous ai dit elle est très très loin et c'est reparti, on est reparti, la safety car qui est rentrée, on va pas pouvoir attaquer tout de suite, drapeau jaune, toujours drapeau jaune, on peut pas dépasser drapeau vert, on peut y aller et on va y aller directement sur Bottas, attention, on va plonger à 3 francs, on plonge sur Verstappen et c'est fait, on est passé le double dépassement, magnifique, et le contact, attention Bottas et Verstappen qui va perdre 2 places. Oh le double dépassement sur Verstappen, et attention ça se décale derrière, Bottas qui va peut-être tenter. Et pour l'instant on a déjà fait 2 voitures en une ligne droite, ce qui est déjà pas mal. Maintenant il va falloir essayer de se concentrer, rattraper les Ferrari. Leclerc devant Vettel. Et les Ferrari n'ont pas le rythme, hein. Les Ferrari n'ont pas encore le rythme pour battre les Racing Point. Nous on l'a un tout petit peu, mais pas tout le temps. Et regardez comment on revient, regardez comment on revient sur Sébastien Vettel. Alors c'est vrai que j'ai mis un peu plus d'appui, j'aurais peut-être pas dû, on va peut-être le regretter un petit peu plus tard. Mais je l'espère qu'avec le DRS ça le fera. Allez, on va essayer de rattaquer le plus rapidement possible, au moins Sébastien Vettel. Alors, à voir, parce qu'on n'aura pas le DRS tout de suite, donc il va peut-être falloir attendre un petit peu. Mode chrono, mode riche, et on va pas pouvoir... Et Vettel qui va protéger, on va peut-être pouvoir essayer de décroiser à l'accélération sur le pilote allemand. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose? Allez, on est bien positionné à l'aspiration dans sa boîte de vitesse, on va pouvoir se décaler. Et on va se décaler sur la droite, sur la gauche, Vettel qui protège pour l'instant. Et on va passer à droite, alors est-ce que ça va suffire?
Et la vitesse de pointe de la Ferrari, elle est très très bonne. Attention, parce que là, on va tenter par l'extérieur au virage numéro 1. Ça va pas être facile, le blocage de roue. Attention, et on va perdre l'arrière. Attention, on a failli perdre l'arrière. Et ça va passer sur Sébastien Vettel, et qui va se faire attaquer maintenant par Bottas. Attention à Valtteri Bottas. Et Bottas qui va tenter. Oh, ça passe pas, et du coup, ça va bénéficier à Verstappen. Verstappen qui va pouvoir passer. Et Verstappen qui va tenter de rouler sur Vettel. Verstappen, c'est fait, par l'extérieur qui est passé sur Vettel. Magnifique dépassement. Très très beau dépassement sur Sébastien Vettel. Et maintenant, on va se reconcentrer devant. On a Lucas Weber et c'est Charles Leclerc devant qui est deuxième pour l'instant. Et Weber qui commence à s'envoler. Il faut vite le rattraper. Il faut très très vite le rattraper. Allez, on va pouvoir attaquer Charles Leclerc au cinquième tour. Ça devrait le faire. On aura peut-être pas le meilleur tour en course, mais pour l'instant, on améliore les secteurs. Et avec le DRS activé, ça va peut-être le faire sur le décalage. On va se décaler à l'intérieur avec le meilleur tour et on va plonger à l'intérieur sur Leclerc, le blocage de roue. Allez, Leclerc qui va décroiser, attention au décroisé, non c'est bon, ça va repasser, on garde la deuxième position pour l'instant, c'est pas terminé. Et Leclerc DRS activé, est-ce que ça va le faire? On va protéger l'intérieur, Leclerc qui va tenter par l'extérieur, on va essayer de freiner le plus tard possible et on va pas lui laisser la place, c'est bon, on va garder la deuxième position et maintenant il faut attaquer devant, il faut attaquer Lucas Weber, maintenant il faut vite attaquer. Alors que derrière, c'est Perez qui commence à revenir, Perez qui revient cette fois-ci sur Verstappen. Eh, c'est pas bon parce que là il y avait un gros coup à jeu au constructeur avec Perez en tête à queue. Eh, ça va passer, hein, Perez qui va passer, c'est fait. Ah non, les deux Racing Point devant les deux Red Bull, ça c'est pas l'idéal au constructeur. Et Verstappen qui est trop loin pour retenter malheureusement. Alors certes, il est en pneu médium, donc là c'est pas la même stratégie. Eh non, on va se concentrer, on est encore loin, on est très loin de Lucas Weber, il va falloir se concentrer. Eh, je suis un petit peu dans un no man's land, maintenant j'ai personne devant, personne derrière, personne pour m'attaquer, personne à attaquer. Et on va améliorer le premier secteur, c'est déjà pas mal. On est à 3 secondes de Lucas Weber. Avec un undercut, ça peut se tenter. Drapeau jaune, attention derrière, drapeau jaune. C'est Sergio Perez, l'abandon de Perez, l'abandon du Mexicain. Et ça c'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Parce que là du coup l'abandon de la Racing Point pour le classement constructeur, c'est tout bénef. C'est tout bénef avec Verstappen qui va récupérer sa place du coup. Et maintenant il faudrait qu'il arrive à doubler les Ferrari. On pourrait faire un gros coup maintenant. Alors là, entre l'accrochage, qui je rappelle n'était pas voulu, et ça, c'est pas la journée de Perez. Et on va revoir, peut-être que c'est l'hybride. Ah non, il n'y a pas de... Non, c'est pas l'hybride, hein, c'est juste le moteur, il a lâché d'un seul coup. Alors ça, et peut-être une pénalité, à Abu Dhabi, il faut surveiller, pourquoi pas la pénalité. Ça, ça pourrait être bénef, hein, même pour le classement pilote. Et Verstappen qui voit son, entre guillemets, rival abandonné, c'est parfait, on va en profiter. Et normalement on va pouvoir faire un gros coup au constructeur. Alors que là Lucas Weber va rentrer au stand au 14ème tour. Alors nous on va continuer. Alors on va voir ce que ça va donner, parce qu'on est déjà au 14ème tour. Sachant qu'il y a eu la safety car pendant 2 tours, on a gagné un peu de temps. Alors ça va être des pneus durs, ouais, c'est la stratégie de base. Et il reste encore un peu plus que 15 tours. Oh, la pénalité pour Leclerc. La pénalité, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour Charles Leclerc? Pénalité de 5 secondes, des pneus durs. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour Leclerc avec Ferrari stonné. Allez, nous on va essayer de continuer les meilleurs tours. Pour l'instant, on est pas mal, hein. On est pas mal. On continue à attaquer au 18ème tour. Regardez, au 3ème, 3 tours, pardon, après l'arrêt de Lucas Weber, on continue. Et on va peut-être, on améliore, hein. Pour l'instant, j'enchaîne. On va doubler Romain Grosjean. J'enchaîne les meilleurs tours là depuis tout à l'heure. J'ai un très très bon rythme. Et là, regardez, on peut. Et on va même, on va modifier la stratégie. On va rentrer et on va passer les pneus médium parce que là, regardez, il reste un peu moins de 20 tours maintenant. Il reste un peu moins de 20 tours et on va pouvoir tenter les pneus médium. Alors, le relais un peu plus long. On a 15 secondes d'avance sur Lucas Weber. Et j'ai gagné du temps. J'ai gagné un peu de temps, j'ai l'impression. Alors, on va voir où on ressort. Allez, des pneus médium. En espérant que ce ne soit pas la mauvaise stratégie. De toute façon, c'était la seule stratégie que j'avais. C'est d'aller le plus loin possible et essayer de me rapprocher de Lucas Weber comme ça. Alors, on va ressortir derrière. De combien? Allez, voilà, Lucas Weber. Ouais, pas de temps que ça, hein. Ah si, quand même, va y avoir 4-5 bonnes secondes, à mon avis. Ouais, s'il arrive déjà, il est sorti déjà du virage 3. Et nous, on est encore, malheureusement, il y a une petite distance là avec Lucas Weber. Mais l'avantage, c'est qu'on va être en pneu médium là. On va être en pneu médium. Et regardez, on va pouvoir revenir justement. Il est là l'avantage. Il va vite falloir passer sur Lucas Weber. On a peut-être fait une très très bonne opération. Alors attention quand même, parce qu'il reste encore plus de 10 tours. Donc 10 tours avec des pneus médium. Il va falloir surveiller la dégradation. Mais le but du jeu va être de passer le plus vite possible. Alors là, cette bataille, elle va être très très animée, parce que cette bataille, elle a plus qu'un seul sens, elle a plusieurs sens. De 1, c'est avec Lucas Weber, mais de 2, c'est surtout que si je passe, je m'offre une chance de me battre à Abu Dhabi. Allez, on va peut-être pouvoir attaquer Lucas Weber.
Peut-être pas tout de suite, il va falloir attendre un petit peu. Est-ce qu'on va pouvoir avec le DRS? Mais largement on va pouvoir attaquer Lucas Webber, on va pouvoir passer. Après il faudra bien gérer les pneus une fois qu'on sera devant, parce que sans le DRS ça va être compliqué de résister. DRS activé. Et on va pouvoir se décaler. Regardez Lucas Webber qui va tenter de protéger. On va tenter par l'extérieur pour commencer. Est-ce que ça va passer? Attention, la roue dans l'herbe et on va enrouler par l'extérieur. C'est fait, on est passé. On va passer sur Lucas Webber. Alors attention, la deuxième zone de DRS, parce que là du coup c'est l'Allemand qui va récupérer le DRS. Et là ça va être un peu plus compliqué. Et directement Lucas Webber qui repasse à l'intérieur. On va pas pouvoir résister longtemps. On va peut-être, et là on pourra même pas décroiser. Et Webber qui protège très très bien. Alors là la bataille avec la Racing Point, elle va être très très intéressante. On n'a pas les mêmes pneus, donc on est un peu, ça balance un petit peu la contre-performance qu'on a nous avec la Red Bull. Et derrière on a Leclerc, pardon c'est Vettel, Vettel qui a 14 secondes. Donc là vraiment on est que tous les deux, on est au toit du monde. Et maintenant il va falloir essayer de faire du mieux possible pour le passer le plus rapidement possible. C'est ça le plus intéressant, c'est de passer vite. Après on essaye de créer un gap, on essaye d'en faire, je sais pas, d'enchaîner les meilleurs tours. Et on verra ce que ça donne. Et on est une nouvelle fois, un tour après exactement au même endroit, on est aussi bien positionné. On va pouvoir réattaquer, et cette fois-ci il ne faudrait pas se refaire doubler dans la deuxième zone de DRS. Allez une nouvelle fois l'aspiration. On va pouvoir réattaquer, DRS activé. Et cette fois-ci, ça devrait passer. Lucas Webber qui va une nouvelle fois protéger l'intérieur. Et on va se décaler. Et cette fois-ci, on va plonger à l'intérieur et ça devrait passer. Le contact, le contact avec Lucas Webber, on s'est touché. Rien de cassé, juste roue contre roue. Et une nouvelle fois, regardez la sortie du virage 3 de la Racing Point. Cette traction, c'est une machine. Oh, attention, le décalage. Le décalage en ligne droite, on va pas le laisser passer. Maintenant, c'est terminé, tu ne passeras plus. Et cette fois-ci, on passe en tête du Grand Prix. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir tenir encore 10 tours. 10 tours à tenir. Et il va pas me lâcher. Hein. Il va pas me lâcher. Alors là, on va avoir une fin de course excellente. On va avoir une fin de course très intéressante. Qui de nous deux l'emportera? Parce que je pense que lui aussi, il a clairement à cœur de passer. Allez, allez, une nouvelle fois, regardez. La sortie du virage 3. On va bloquer l'intérieur. Il va tenter par l'extérieur. Il est plus rapide. Il est plus rapide. Je peux pas tenter. Je peux pas tenter, malheureusement. Et attention, la roue dans l'herbe. Et attention à ne pas trop en faire, hein. Attention à ne pas trop en faire avec Lucas Webber, parce que là, ça peut très très vite partir au crash. On se souvient, hein, c'est pas la première fois cette saison que je me bats avec lui, et ça a très très rarement fini proprement. On va essayer de faire ça bien aujourd'hui. Et le blocage de roue une nouvelle fois, c'est dans le deuxième secteur, hein. C'est vraiment là, c'est dans ces virages-là en dévers où j'arrive à reprendre du temps sur la Racing Point. Après, heureusement que j'ai le DRS, parce que sinon on serait dans la caca. Et une nouvelle fois, hein, les blocages de roue, attention à pas trop taper dans les pneus non plus, il faut pas trop en faire. Allez, on va pouvoir réattaquer une nouvelle fois. On va revenir au contact de la Racing Point. Ça devrait le faire. Attention, le petit freinage raté. On est allé un tout petit peu trop loin. Et ça devrait le faire quand même. On est assez bien positionné normalement pour attaquer. Allez, DRS activé à l'aspiration. Une nouvelle fois, on a tenté l'extérieur, on a tenté l'intérieur. Lucas Webber qui va protéger. Non, on va pas pouvoir. Il va falloir attendre. Allez, le petit blocage de roue. Le blocage de roue qui nous a sauvés. On va repasser sur Lucas Webber. Et Lucas Webber qui va nous réattaquer une nouvelle fois sur sa, chacun sa zone de DRS. En fait j'ai compris, moi j'attaque sur la première, lui il attaque sur la deuxième. Et c'est passé, ce sera pas suffisant. Et voilà, ce sera pas suffisant le blocage de roue. C'est pas la première fois que... Oh, et attention quand même, attention à ce vibreur. C'est pas la première fois que Lucas Webber craque comme ça. Et on l'a vu, drapeau jaune, il y a eu l'abandon. C'est Devin Butler, Devin Butler qui va abandonner. Mon ancien rival en Formule 2. Ah, c'était il y a longtemps, hein. C'était clairement il y a longtemps. Les temps ont bien changé depuis. C'est bien plus compliqué avec McLaren. Oh, le DRS activé, il va plonger. Il va plonger, attention. Lucas Webber qui va vers l'intérieur. On va tenter par l'extérieur de repasser. Et on va repasser, mais pour combien de temps? Allez, on va essayer directement de reprotéger l'intérieur, bloquer la gauche. Est-ce que... Oh, et non, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Lucas Webber va y aller. Lucas Webber va passer. Est-ce qu'on a un moyen de... Est-ce qu'on peut enrouler par l'extérieur? Est-ce qu'on... Oh, attention, le contact. On s'est touché. Le contact avec Webber. C'est pas terminé. Oh là là, il reste encore combien? 8 tours. 8 tours à faire qui vont être longs, ces 8 tours. Ils vont être très très longs. Ça fait déjà quand même 5 tours, hein, qu'on est au combat avec Lucas Webber roue contre roue. Et j'ai l'impression que c'est pas encore terminé. Allez, pour l'instant, les pneus tiennent bien. On a bien géré les pneus là. La Red Bull qui commence en fin de saison en termes de dégradation des pneus a bien géré. Alors les températures, c'est encore autre chose. Ça dépend. Mais là, pour l'instant, on a fait une bonne gestion durant ce Grand Prix. Allez, on va pouvoir attaquer. On est collé à la Racing Point. On va se décaler. On va plonger dans le dernier virage à l'intérieur. On va plonger et ça va passer. On passe sur Lucas Webber. Alors, il va sûrement réattaquer directement. Il va récupérer le DRS là. La détection est un petit peu plus basse. Et il va activer. Voilà, il active le DRS. Certains me l'ont dit dans les commentaires. Il n'y a pas de LED en fait sur le volant de la Racing Point pour le DRS. Et ça va pas passer tout de suite. Il va devoir attendre un petit peu. Attention, le blocage de roue.
Et attention à ne pas faire d'erreur, nous non plus. Pour l'instant, j'arrive pas à casser cette barrière là. J'arrive pas à sortir de la zone de DRS. Et à au 30ème tour, il reste encore 6 tours. 6 tours à faire avec Lucas Stuber derrière moi. Allez, il faut tenir, c'est plus qu'important. Aujourd'hui, en plus, j'ai le meilleur tour pour l'instant. Je tiens le meilleur tour en course. Ça va pas passer, ça va pas passer. Et si, ça va passer, ça va passer. On va essayer d'enrouler une deuxième fois par l'extérieur cette fois-ci. Ça va passer par... Oh, à l'extérieur, attention. Lucas Stuber qui est venu me tasser dehors. Et une nouvelle fois, Lucas Stuber qui a très bien compris qu'une fois que j'étais à l'extérieur, il me laisserait pas passer. Et on va avoir un petit peu de trafic. Alors, le trafic qui va peut-être nous gêner. Ah non, il faut rester calé tout de suite, il faut pas nous gêner. Je sais pas qui c'est. Ah non, c'est Raikkonen. C'est Raikkonen. Non, 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 Raikkonen, Raikkonen et Romain, cassez-vous de là. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font à deux de fond là devant moi? Et on va passer, hein. On est passé un petit peu sur le vibreur. C'est deux abrutis capables de me bloquer. Et on a perdu un peu de temps maintenant. Ça va, j'ai toujours le DRS. On va pouvoir remonter. Il reste seulement 4 tours. 4 tours. Et là pour l'instant, c'est Lucas Stuber, champion du monde. Il va falloir remonter. Allez, ça a été rare, c'est rare, hein. C'est rare les moments dans ma carrière où j'ai été comme ça sous pression et que j'ai dû aller chercher un résultat. La plupart du temps, il suffisait de protéger. Allez, maintenant, il va falloir se concentrer. Normalement, on n'aura plus personne devant, pas de trafic. Donc là, ça va juste être une question de dépassement et de protéger l'intérieur. Allez, la voiture, il y en a une qui est assez loin. Je sais pas si c'est une Toro Rosso, si j'ai vu de loin, il me semble. Mais normalement, on devrait pas être gêné. Et on revient dans le secteur 2, c'est là où il faut revenir. Il va falloir faire attention à l'essence, mais l'essence, je m'inquiète pas trop du moteur Honda, c'est plus de la batterie. Il va falloir surveiller l'énergie de la batterie. Allez, on va terminer le 32ème tour et on va peut-être pouvoir attaquer. Allez, mode chrono, la batterie est quasiment, elle est à moitié pleine, donc ça va, elle est pas trop mal. Et l'essence, on va être bon, mais je suis trop loin pour l'instant, je vais pas pouvoir tenter. Il va falloir attendre un petit peu et avec tout ce bordel qu'on a fait avec Weber, Vettel n'est pas revenu d'une seule seconde. Vettel est resté 3ème à 15 secondes, c'est énorme. C'est énorme pour Sébastien Vettel. Et DRS activé, est-ce qu'on va pouvoir cette fois-ci au bout de la ligne droite? Eh non, on peut pas, pour l'instant on est trop loin. Il va falloir attendre encore un tour. On est mal positionné pour l'instant. Et vraiment, il n'y a que deux endroits où on peut dépasser. Alors, il y en a trois techniquement, mais il y en a deux où c'est vraiment facile. C'est à la fin des deux zones de DRS. Sinon, il y a le dernier virage. Mais le dernier virage, c'est vrai que si l'adversaire ne vous voit pas, vous pouvez très vite vous perdre l'aileron là et vous faire tourner dessus. Allez, on va essayer de se concentrer. Normalement, ça devrait le faire. Il reste encore trois tours. Trois tours pour dépasser Lucas Webber. Trois tours pour essayer d'avoir une chance à Abu Dhabi. C'est vrai que c'est assez rare quand je suis comme ça sous pression. Je le répète. Oh, et on est bien positionné. On va pouvoir attaquer. On va. Ouais, non, Lucas Webber qui va protéger directement. On va devoir attendre. Essayer de décroiser à l'accélère. Oh non, le travers. Le travers. Allez, on est bien positionné. Ça devrait le faire. DRS activé. Maintenant, à l'aspiration, mode dépassement, la pleine puissance du moteur japonais, ça devrait passer. On va repasser sur Lucas Stuber à l'intérieur, au 34ème tour. Et Lucas Stuber qui freine très très tard. Attention, par l'extérieur, Lucas Stuber qui va tenter. Et attention, le contact, on s'est touché. L'accrochage avec Lucas Stuber. Et il a lâché, hein. J'ai l'impression qu'il a eu très très chaud. Et drapeau jaune, il a eu chaud. Il a failli la perdre. Il a failli perdre sa voiture. Et on va entamer le dernier tour. Lucas Stuber n'est plus au contact. Normalement, ça devrait le faire. Et oui, il a plus d'une seconde, pas de DRS pour l'instant. Ça devrait le faire, on devrait pouvoir s'assurer normalement de remporter ce Grand Prix. Alors attention, à ne pas faire d'erreur, il y a seulement un tour. Ah, il est loin, hein. Il est loin, il n'aura pas de DRS. Donc là, à moins de me dépasser sur la ligne. Mais là, ça voudrait dire que je ferais une grosse erreur. Ou alors à moins d'avoir du trafic peut-être à Toro Rosso qui pourrait peut-être me gêner. Normalement, on devrait avoir une chance à Abu Dhabi. Alors ça va être très compliqué encore une fois, hein. On va refaire les calculs à la fin. Mais là, avec 26 points, Weber va en prendre... va en prendre 18 si je me souviens bien. Donc là on va passer à 18 points. On va passer à 18 points de Lucas Webber pour le dernier Grand Prix. Et 18 points, autant vous dire que là il va falloir vraiment, vraiment prier pour un miracle. Parce que là ça va être très compliqué. Attention, l'erreur dans le dernier tour. Attention, attention, petit tête à queue. Allez, de toute façon normalement ça va le faire. Ça devrait le faire. Allez, il reste plus qu'un virage et une longue remontée pour s'assurer de la victoire. Et ça va le faire, on va s'assurer, pas de DRS. Regardez, il a plus d'une seconde, on va remporter le Grand Prix du Brésil. Et Dieu sait que c'était compliqué aujourd'hui. On a été assez chanceux sur tous les tableaux. Et on va l'emporter, et du coup, le titre se jouera à Abu Dhabi. Et alors là, à Abu Dhabi, ça va être compliqué. On va tout tenter, on sait jamais, hein, mais ça va être compliqué. Moi, je vous le dis, avec 18 points de retard, il va falloir prier pour un nouveau miracle à Abu Dhabi. Mais c'était déjà le cas la saison dernière, donc pourquoi pas. Red Bull a tout donné aujourd'hui. Superbe victoire. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide, alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis.
Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Trois pilotes, trois voitures sur le podium et une victoire du coup pour Red Bull. C'est la quoi? C'est la sixième cette saison. Il y a eu Monaco, il y a eu Espagne, il y a eu bon Brésil. Il y a eu quoi? J'ai une mémoire vraiment de poisson rouge. Dans tous les cas, on prend 26 points, 18 pour Lucas Weber. Donc ça fait donc un petit écart de 8 points, ce qui est assez intéressant. Vettel troisième devant Leclerc. Leclerc qui a, à mon avis, avec la pénalité, j'ai pas vu ce qui s'était passé, mais a subi un truc. Verstappen devant Bottas et Magnussen. On retrouve Giovinazzi et Hülkenberg, donc les deux Mercedes dans les points, avec Hamilton dixième et les deux abandons. Du coup, Perez, on l'a vu. Et donc c'était Devon Butler, le drapeau jaune, l'abandon. Problème mécanique, c'était pas une casse moteur, il n'y a pas de fumée. Mais il a dû abandonner, c'est dommage pour lui parce qu'il fait une bonne saison pour l'instant et il aurait pu marquer des points. Et voilà, au classement pilote, du coup, on est à 18 points, donc ça se jouera entre nous deux. Ce sera soit Weber, pardon, soit moi. Verstappen devrait. Ouais, non, Verstappen, ça va être chaud aussi. Hein. Verstappen va essayer de garder sa troisième place au championnat, mais. Ça va être tendu. Vettel devant Leclerc pour l'instant. Magnussen devant Bottas. Hamilton devant Ricciardo qui fait une très bonne saison d'ailleurs. Ricciardo 10e fait une très bonne saison aussi. Lando Norris 11e. Et Giovinazzi qui passe devant Butler du coup à égalité à 16 points. Donc ouais, dommage pour Butler. J'espère qu'il marquera un tout petit point à Abu Dhabi. Et au constructeur, on est à 6 points. 6 points. Oh putain, 6 points. 6 points d'un titre constructeur avec Red Bull. Ça me ferait au moins 2 titres. Avec Red Bull, un pilote, un constructeur, ce qui serait déjà pas mal. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Vous l'avez vu, il y a un petit changement aussi. Alpha et Renault qui ont changé de position. Du coup, Renault qui passe 7ème avec les points de Giovinazzi aujourd'hui. Et puis voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette course. C'est vrai qu'elle a été très, très, très mouvementée. Ça a été assez compliqué. Et du coup, tout se jouera à Abu Dhabi. Donc à Abu Dhabi, on se retrouve vendredi prochain à 19h30 en avant-première, comme d'habitude, pour la grande finale de cette saison 3. Vous aurez quelques petites infos sur la saison 4 et vous aurez du coup la réponse sur le champion de cette saison 3. Pour l'instant, on a eu Vettel en saison 1, moi en saison 2. Qui l'emportera entre moi et Butler? Et non, pas Butler, Weber. Moi et Weber en saison 3, la réponse du coup dans 7 jours. Passez un bon week-end, portez-vous bien. Ciao ciao.